2021 tire à sa fin. Dans quelques heures, nous serons à 2022. Il va falloir donc faire le bilan. Qui est qui? Qui a fait quoi? Qui est devenu quoi? Nous allons parler de ces trois catégories de personnes. Et j'aimerais que chacun de nous se situe pour faire son bilan et pour regarder dans l'objectif. Si tu veux savoir davantage, ne bouge pas. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par là, sache que mon nom est Blandine Kofi et je partage du contenu sur l'immigration au Canada. Je partage aussi des sujets qui peuvent vous intéresser et qui peuvent vous aider pour une meilleure intégration une fois sur le sol canadien. Je vous permets aussi de vous préparer depuis votre pays d'origine à mieux comprendre et connaître ce pays dans lequel vous allez bientôt immigrer. Si vous voulez toujours recevoir mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. 2021 tire à sa fin. Va laisser bientôt la place à 2022. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans une nouvelle année sans faire le bilan de l'année précédente. Il faut qu'on fasse le bilan. Qui a fait quoi? Qui est devenu quoi? Sans ça, nous ne pouvons pas rentrer dans une nouvelle année. En tout cas, sans bilan. Parce qu'on risque de recopier les mêmes erreurs dans cette nouvelle année. Donc, il est impératif que chacun de nous fasse le bilan de son année. Et ça me donne l'envie de parler de ces trois catégories de personnes. Première catégorie de personnes, vous les connaissez, c'est ceux-là qui entendent l'information et ne font rien pour l'approfondir ou même l'exécuter. Et il y a cette deuxième catégorie de personnes qui sont toujours en train de procrastiner. Ils ont aussi bien entendu l'information, mais ils doutent. Ils sont dans leur confort de tous les jours. Ce sont les négatifs. Ils sont toujours en train de se poser la question. Est-ce que ça c'est vrai même? Ce que j'ai entendu là, est-ce que c'est vraiment vrai? J'ai dit, oh, mon frère, ce qu'ils sont en train de dire là, est-ce que toi-même tu crois à ça? Ça, c'est pas vraiment des trucs comme ça, je crois pas. Sans approfondir l'information, il a tiré sa conclusion, il n'y a rien à faire. Puis il y a cette troisième catégorie qui est toujours à l'affût de l'information, qui prend ce qu'on lui dit, qui fait encore même plus de recherches et qui fait des découvertes extraordinaires, qui met donc en application ce qu'il entend,
ce qu'on lui donne comme formation, ce qu'on lui donne comme information, ils sont toujours prêts à aller de l'avant. Ils sont motivés à atteindre leur objectif. Ça, c'est la troisième catégorie de personnes. Je dis, toi, tu te retrouves dans quelle catégorie? Ces trois catégories-là. Quand on va faire le bilan 2021, je veux que tu te positionnes dans l'une des catégories pour voir si il vaut mieux améliorer pour aller encore plus de l'avant. Vous allez me dire dans les commentaires dans quelle catégorie est-ce que vous vous retrouvez. La catégorie de ceux qui entendent l'information et qui dorment sur leur laurier, hein, dans leur confort de tous les jours. La catégorie de ceux qui procrastinent. Ah, demain je vais faire. Ou la catégorie des battants. En tout cas, sur cette chaîne, on est quoi? Sur cette chaîne, nous sommes quoi? On a nos devises. Nous sommes battants. Sur cette chaîne, nous sommes débrouillards. Sur cette chaîne, nous sommes indépendants. Voilà. Je veux lire les commentaires. Depuis que la journée Québec a commencé, quels sont ceux qui ont déposé leur CV? Quels sont ceux qui ont postulé? Je sais que il y a des gens avec qui je travaille. C'est vrai que je n'ai pas encore terminé leur CV. Je vous rassure, l'achat de maladie, ça n'a pas été facile. On va terminer, on sera dans le temps pour le dépôt des dossiers. Mais je sais que eux, ils sont déjà en avance. Qu'est-ce que tu décides pour 2022? Qu'est-ce que tu décides pour ton avenir? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu fais pour atteindre ces objectifs-là? Ça fait un an que tu suis Blandine Kofi. Qu'est-ce que tu as pris comme résolution? Je veux savoir. Je veux savoir. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous des sujets pertinents, des informations vraies. Et je suis fière pour vraiment votre fidélité. Merci de me suivre. Merci de faire le bilan et de voir qu'est-ce qui a marché. Qu'est-ce que nous pouvons corriger? Où est-ce que nous voulons vraiment arriver dans notre vie? Très important. Voilà. Je souhaite vraiment bonne fête à tous mes abonnés, à tout le monde. Bonne année et que la grâce de Dieu soit sur chacun et sur chaque famille. Merci de me suivre. À bientôt.